What's up, YouTube? All around the world. Before I start these reviews, I just want to tell you guys this video is gonna be in French, not in English. The only reason why I started in English, because I just want to leave a little quick message to Mr. Jane from URC. Ultimate RC, whatever. Mr. URC, I just want to tell you this about the tracks at Slash Natural, about the last reviews you make about it, and about what you say about people who have or who don't have to buy it. Me, I tell you this, and I'm pretty sure tracks are gonna be pretty much agree with me, but this track is for everyone, okay? Everyone wanna buy this track, feel free to buy, okay? Because I tell you this, it's a bashing track, and bashing track don't need any accurate. Thank you. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Tabarnak. Bon. Je vous présente mon tout nouveau truck. Le ECX Torment. Ce camion-là, il vient d'origine Brush Motors. Et évidemment, moi, je l'ai modifié. J'ai mis une version brushless. Je peux vous dire que d'origine, déjà, c'est un très bon camion. Avec une batterie lipo, pour un brush, c'est pretty fast. Mais avec un brushless, c'est terrible. Ah, c'est vraiment terrible comme truck. C'est vraiment un camion qui a énormément de potentiel. Évidemment, moi, j'ai fait quelques modifications. Ils sont pas chers. Moi, je l'ai acheté sous Kijiji à 125$. Sur Internet, c'est un peu cher. C'est à peu près 326$. Sous le site même de ECX, c'est 179 pour un brush, 279 pour un brushless. Ouais, c'est ça. Puis ok, en tout cas, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait comme modification. Alors moi, mes modifications à moi, j'ai premièrement changé le ESC. J'ai mis version brushless, évidemment, et ça vient, et c'est de Hobby Wing Quick Run 60 amp, et ça fait un bout que je l'ai. Évidemment, celui-là vient de celle-là, mais je vais vous parler d'elle un peu plus tard. Je l'ai transféré là-dedans, le moteur aussi, qui est un moteur.
alors c'est le Linéon de Traxas. Le sacre, je vis au Canada. Au Canada, il y a beaucoup de neige. Alors, ça, c'est pour le protéger. Là, ça fait très bien la job. En avant, j'ai un 8-6-veux Radio Link. C'est une très, très, très bonne télécommande. Ça va très, très, très loin. Et c'est FHSS avec système, moi j'appelle ça système AVC, vous appelez ça, les Chinois ils appellent ça Jaro, moi j'appelle ça AVC système, anyway, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Le Jaro c'est pour les hélicoptères, avions, etc., drones. Moi j'ai mis celui de Radio Link, ça fait la même job que celui de Spectrum. Traction des roues, contrôle des roues en avant. La corde est là, c'est parce que oui, c'est un camion très rigide, mais pas aussi rigide qu'on le dise. Vous voyez la barre ici là. La barre juste ici, là, cette barre-là, là, mais elle a pété. La barre ici au bout qui tient, dans le fond, qui tient le lower suspension, elle a pété. So, j'ai dû mettre ça d'un côté, d'un autre, pour le tenir et de plus, mais ça rend la suspension plus stiff. C'est comme si j'avais mis un... Ça fait presque la même job qu'un strong bar, sway bar. Ouais, ça fait presque la même chose qu'un sway bar. Je l'ai mis en avant. Mais. Comment c'est stiff ça? Je peux vous dire, ça tient la route tellement que ça chavire quand je tourne. Elle chavire quand je tourne. Faut dire, les pneus aussi sont pour quelque chose. C'est des très 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 bons pneus. Je le recommande très 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 fortement. Évidemment, ça c'est des pneus de ST qui veut dire Stadium Truck. C'est pour les Stadium Truck. Il en vend pour les Short Course Truck. Ça va être écrit SC. Short Course. C2 qui veut dire. C2 qui veut dire Soft Tires. C1, je pense, c'est Ultra Soft. C3, c'est Medium. Soft, c'est parfait. Puis je vais vous dire, dans la neige, dans la terre, ça reste pas pogné, je peux vous garantir. En plus, c'est un two-wheel drive. Je vais partout là, partout comme un four-wheel drive. C'est à peu près ça là. La vitesse de pointe à peu près. Mais avec ces roues là, si je mets les roues flat, 80 km, sinon je veux dire à peu près 70 km si je mets les roues flat, 80 km. So, c'est à peu près ça. J'ai aussi celle-là. Vous pouvez voir reviews. Vous avez qu'à cliquer James Lager, James Lager 78 HSP Cool Tiger. Vous allez voir, j'ai fait un petit vidéo là-dessus et j'ai fait un petit vidéo là-dessus aussi. C'est ça, c'est un très bon troc. Est-ce que je le recommande? Ouais, je le recommande. Peut-être pas pour faire de la compétition, mais je le recommande. Très facile à bâcher. Puis, c'est ça. So, salut et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!